contre, il n'est pas adopté. Nous en arrivons à d'autres amendements qui vont être soumis à une discussion commune. Le 190 n'est pas défendu. Le 1280, Monsieur Mélenchon ou Monsieur Lachaud, sur justement le vote blanc. Tout à fait. Il y a, nous l'avons déjà dit, une crise démocratique. 25% d'abstention pour la présidentielle de 2017, qui est pourtant l'élection qui mobilise le plus de nos concitoyens. Plus de 11% de vote blanc, un record. Et aux législatives, les élections desquelles découle notre mandat, votre mandat, quasiment 57% d'abstention. Ne pas voir la crise de démocratie actuelle, alors même qu'elle est non seulement française mais européenne, relève d'un dangereux déni ou d'une terrible déconnexion. Bien sûr, la comptabilisation du vote blanc n'est pas la solution en soi. Nous avons fait et nous portons d'autres propositions. Cependant, donner un effet contraignant au vote blanc, c'est obliger les personnes élues, comme celles prétendant à l'être, à proposer une véritable offre politique, non un programme par défaut, qui, au lieu de convaincre sur la base de positions politiques, fait de la formulation de propositions tièdes, du lustrage communicationnel, de l'absence de projets politiques ambitieux, les règles du débat politique et la condition de la victoire. Les électeurs et les électrices doivent pouvoir signaler si aucune offre politique ne leur convient. Merci. Voilà pourquoi nous vous proposons de reconnaître la comptabilisation du vote blanc. Merci, monsieur.